L'histoire commence dans la cour de la compagnie de sécurisation et d'intervention de Marseille. Depuis un an, ces policiers interviennent deux fois par jour dans les cités pour démanteler les réseaux de drogue. Mais aujourd'hui, pour rentrer dans la cité de la Castellane, il va falloir ruser. La réaction des habitants est toujours imprévisible. Tout peut basculer. Alors Michel, le major de la compagnie, utilise un faux taxi pour infiltrer cette zone à risque de la ville. On dirait qu'il penche un peu. On dirait qu'il penche, ouais. Donc tu rentres le premier. Son taxi, ce sera le cheval de Troie de l'opération. Michel, le moment venu, donnera le top départ de l'assaut. Ces hommes, armes au poing, veilleront à empêcher les trafiquants de se rebeller ou de fuir. On le perd pas. Il y a un, comment il s'appelle, Le dispositif est impressionnant. Un convoi d'une trentaine de voitures de police, d'autres banalisées. Mais aussi des fourgons et des motos qui roulent vers la Castellane, toujours emmenés par le taxi de Michel. Un chouf, c'est un guetteur dans le langage marseillais. Il pousse son cri de guerre, ara, ara. Lui, on peut le prendre. Les policiers sont repérés. Casquette rouge, ce vêtement noir. Michel, dans son faux taxi, est en tête du convoi. À distance, il donne de précieuses indications à ses équipes. Entrée 11, à gauche. À gauche, à gauche. Il y a que du 11, il y a que du 11. Hein. Le dealer s'est réfugié dans le bloc 11 de la cité. Il y a quelqu'un en haut, là. Ça a claqué, là, quand c'est en montant. Les policiers ont quelques secondes pour sécuriser le quartier. À peine le pied posé au sol, ils pointent leurs armes vers les fenêtres pour éviter de se faire caillasser. Ça arrive souvent. C'est une véritable opération militaire qui se déploie sous le regard des habitants de la cité. Des jeunes et des mères de famille avec leurs enfants qui ne s'attardent pas sur les lieux. Bon, qu'est-ce que ça donne? Oh, ferme là, pour tout le monde a congé pour eux. 17h30, c'est quoi, ouais, ton garde à vue? T'es en garde à vue quand t'es 17h30, ouais. D'accord? Tu as quel âge? Arrête de me filmer, quel âge, vas-y. Quel âge tu as? Vas-y, passe la caméra. Quel âge tu as? Vas-y. Quel âge tu as? J'ai 40 minutes, 40 ans. Arrête tes bêtises, là. Vas-y, vas-y. Quel âge tu as? Dans sa fuite, le dealer a foncé dans un appartement. La porte était ouverte. Il s'est caché dans un placard. La plus grande confusion règne. À peine entré, il s'est déshabillé pour ne pas être identifié. Oui, tout à fait. Ils sont signalement, au départ, il est vêtu comment? Il est vêtu casque tout rouge et. La première des urgences, retrouver ses vêtements. Une casquette rouge et un t-shirt bleu. C'est la tenue qui correspond au signalement donné quelques minutes plus tôt par le major Michel. Le locataire de l'appartement ne comprend rien à ce qui se passe. Il dormait quand le dealer a fait irruption chez lui. J'ai rentré à son match au front. D'accord. J'étais couché. D'accord. J'ai entendu le bruit, j'ai dit qu'est-ce qu'il y a? Alors mon fils, j'ai un grand fils. Oui, je l'ai vu au fond, hein. Ouais. Ouais, c'est lui qui m'a dit qu'il y a quelqu'un qui... Il y a un jeune qui... D'accord, vous ne l'avez pas vu aller à l'extérieur jeter quelque chose ou quoi? Non. Vous étiez déjà dans la partie là-bas. Il n'y avait personne dans cette pièce là au départ? Personne. Il y a vous et votre fils au fond, c'est tout. Ouais. Bon, il faut chercher partout, hein. Maintenant, il faut mettre la main sur la drogue. Elle se trouve dans une sacoche que le jeune homme a peut-être jetée par la fenêtre. Précieux secours, un écran vidéo qui transmet des images de l'intervention par hélicoptère. Il est possible qu'un complice ait récupéré la sacoche au pied de l'immeuble. Michel, mon pote. C'est bon? C'est bon. Champion du monde, c'est bon, on a récupéré la sacoche. Bonne Allez, nouvelle. Bon. D'autres policiers en bas ont fait du bon boulot. Ils viennent de la récupérer. Sous la fenêtre, va voir. Attends, j'ai quitté. Il y en a un peu là. Et il y en a un peu là aussi. Attends, là, devant. Cannabis,
herbe. Au total, près d'un kilo de drogue dans ce sac. Par contre, il faut l'amener fils à lui, hein, qui le met en garde à vue à la division Nord. Ton domicile, ouais. Tu sais qu'on va aller faire une perquis chez toi. Donc, ne donne pas une adresse de du voisin. On va prendre 5 ans des perquis. D'accord. Alors, tu me dis ton adresse. Déjà ton bluff. Ton nom, c'est quoi? Oui. Ton prénom? Quel arrondissement? À partir de maintenant, le dealer sait qu'il a tout intérêt à coopérer avec la police. Ses vêtements viennent d'être retrouvés. Casquette rouge, t-shirt bleu, transpirant et puant. T'as l'air de filmer, là. Je ne pas encore. C'est quoi? C'est caméra cachée. Caméra cachée. Tu vas sortir en marche arrière, toujours tout droit. Comment on est rentré, hein? Et on va te suivre, ça va faire gaffe. Ok? Ouais. Tu la vois bien ma tête? Je vois bien mon pif, je le vois. Mais l'opération Castellane n'en est pas finie pour autant. Car à l'extérieur, si certains habitants de la cité assistent à l'intervention comme à un spectacle, le plus dur reste à faire. La foule s'est amassée à proximité du bloc 11. Les policiers doivent vite sortir de là. Les complices du dealer peuvent créer un incident à tout instant. En fait, là, le gars, il est escorté pour pas qu'on... Dès qu'on essaie de l'arracher. Pour pas qu'on nous le récupère, là. Le gars, il y a un vrai risque de le récupérer dans la bagnole. Ben là, le rapport de force, c'est quand même en notre avantage, mais... Le fait que ce soit comme ça, collé tous ensemble, ils ne vont pas oser venir. Ils se laissent sortir la voiture seule, ils risquent de la bloquer et de sortir le gars. Et puis bon, il y a des points en haut, ils peuvent balancer, donc voilà. Le fait d'être en nombre, c'est assez dissuasif. Après, je roule dans le coffre. Les policiers ne prennent aucun risque. Comme dans un cortège officiel, ils escortent à pied le véhicule dans lequel se trouve le trafiquant. Le convoi, sans cesse protégé par des policiers armés, se dégage de la Castellane. Des enfants, des ados, ils regardent. Ils semblent blasés par ce type d'opération. Depuis un an, une fois par mois, ces policiers ratissent le quartier pour faire main basse sur tout ce qui s'apparente de près ou de loin à un trafic de drogue. Bon, ben belle manœuvre. Ah, nickel. Quel est l'intérêt de rouler si vite, là? Pour notifier la garde à vue, on n'a qu'une heure, hein, donc il faut vraiment le faire dans les règles de l'art, surtout que c'est le début de la procédure. Donc si on foire, si on ne respecte pas la réglementation, on peut casser toute la procédure, c'est-à-dire tout ce qui aura été mis en amont et au travers de cette affaire sera caduque, quoi. Le dealer sera interrogé à l'hôtel de police des quartiers Nord. Sa garde à vue peut durer 96 heures. Pris en flagrant délit, le jeune homme encourt au moins 5 ans de prison ferme et 75 000 euros d'amende. Excepté s'il donne des informations sur le réseau qui l'a engagé. Bon. Alors... Donc, qui c'est qui t'a fourni ça? Qui c'est qui t'a fourni? Tu sais comment ça se passe au niveau du parquet, hein? On peut pas t'apprendre la musique, hein? Si tu nous donnes des infos, le parquet est indulgent, tu ne donnes pas d'infos. Ça n'existe pas? Hein? Tu crois? Moi, je suis persuadé. Le dealer ne dira rien. À Marseille, quand un trafiquant parle, dans le meilleur des cas, il est immédiatement banni de ses cités. Dans le pire, il peut finir avec une balle dans la tête. Il est 20h. Le major Michel s'apprête à rentrer chez lui. Mais un homme vient d'être assassiné dans le quartier de la Belle de Mai. Il doit sécuriser le périmètre de la scène de crime. Les règlements de compte, c'est une terrible réalité marseillaise. La Belle de Mai n'est pas très loin de l'hôtel de police, mais il faut aller vite. Dans ce type de situation, chaque seconde compte. Alain, le coéquipier de Michel, n'hésite pas à foncer dans les rues de la ville et à prendre des risques. Sur place, l'atmosphère est presque insoutenable. Monsieur, je ne connais pas ma sœur. Non, vous inquiétez pas. Un homme nous interdit de filmer. C'est le frère de la victime. Michel, qui a déjà disparu dans la foule, doit veiller à éviter tout débordement. Car la famille, les amis et les proches de la victime
crient leur douleur autour de sa dépouille. Leur souffrance peut se transformer en colère à tout moment. La victime, un homme d'une quarantaine d'années, connu des services de police. Il a été criblé de balles dans sa voiture en pleine rue. Ce scénario est désormais classique dans le feuilleton tragique des règlements de compte. Le procureur de la République s'est déplacé. Il tient une conférence de presse en pleine nuit. Et cette liste macabre de morts et de blessés par balles, il l'évoque avec un certain fatalisme. Ça fait sixième mort à Marseille. Marseille, depuis le début de l'année. Oui, bah c'est malheureusement un phénomène que vous connaissez, qui est récurrent dans cette ville. Et pourtant, les services de la police judiciaire, notamment, qui sont souvent saisis de ce type de dossier, ont des résultats. Un certain nombre d'individus sont actuellement sous les verrous pour des règlements de compte. Mais vous savez, les enquêtes criminelles sont de longue haleine. Et on a élucidé des affaires quelques mois, même plusieurs années après les faits. Donc on reste toujours optimiste. Mais on sait que ce sont des affaires complexes parce que les auteurs préméditent leur action. Et donc s'emploient à ne pas laisser de traces. Une nuit de sang, une nuit de deuil, une de plus. À force de voir des voitures constellées de projectiles et des experts de la police scientifique ramasser le moindre indice sur le pavé marseillais, les gens se sont habitués au claquement des armes de guerre dans leurs rues. Comme ici, dans le 3e arrondissement, où deux jeunes de 25 ans sont pris sous le feu de deux Kalachnikovs. Plus d'une trentaine d'impacts au sol et sur les murs. Et ça fait peur dans la cité, hein. Dans toutes les cités, ça fait peur tout le monde, on n'est pas à l'abri de rien. Hein. Pourquoi ? C'est quelque chose qui arrive tout le temps. Ah, dans les quartiers nord, c'est de partout, c'est comme ça. Moi, je ne suis même pas à l'abri, moi. C'est-à-dire ? Ben moi j'ai même peur, moi. Vous avez peur de quoi ? Ben moi j'ai peur que si je pars, que je rentre plus. Hein. Vous savez, une balle perdue, c'est vite fait. Hein. Une autre exécution dans la cité de la Castellane, peu avant 6h du matin. Un mineur de 17 ans reçoit une rafale de mitraillette. Les marins-pompiers ne parviendront pas à le sauver. Le jour de Noël, trois hommes âgés de 19 et 20 ans, connus pour des trafics de stupes, sont retrouvés carbonisés dans leur voiture. C'est le summum de l'horreur, le summum de la barbarie. Ce sont des gens qui ne respectent ni la vie, ni quoi que ce soit. Existe-t-il une hiérarchie dans l'abomination des crimes de sang ? Une fois de plus, elle fut atteinte cette nuit-là, au Clos Larose. Vers 21h, un adolescent touché par plusieurs balles de Kalachnikov meurt dans les bras de son père. Jean-Michel venait d'avoir 16 ans. C'était un enfant turbulent, mais ceux qui l'ont tué le considéraient comme un ennemi, le surveillant d'un territoire dont il voulait s'emparer, toujours pour de l'argent. On a entendu la première rafale qui a balayé le jeune là, qui était le guetteur. Quoi. Et après, il y a un véhicule rouge, un véhicule gris qui sont passés là et qui ont mitraillé le bloc. C'était à l'arme automatique, à l'arme lourde. Hein. C'était impressionnant. Ça serait cru à la guerre. Hein. Gilles Tachon vient de quitter la police. Après 25 ans, la brigade anti-criminalité, cet enquêteur n'en pouvait plus de la loi des voyous et de l'impuissance du service. Révolté par l'extrême violence, il veut dénoncer aujourd'hui les ravages du business de la drogue depuis que les dealers ont fait main basse sur sa ville. Ouais, ils ont bouché un petit peu. Les plus violentes. C'est ici que Jean-Michel est mort. La cage d'escalier porte encore les traces des balles de Kalachnikov. Il y a encore des trous là, vous voyez. Ça, c'est du Kalach qui a carrément pris en billet le montant. Vous voyez donc la perforation qu'il a pu avoir. Donc, la vitre a été changée, bien sûr. Et un coup de peinture qui a été refait. Mais Gilles, ça dit de partout ici, dans cette cité-là. C'est le marché de la drogue. Le 13e arrondissement, c'est quelque chose de terrible. Chaque cité, chaque a leur spécialité. C'est du shit, c'est de la coke, c'est de l'ecstasy, c'est de l'héroïne, c'est de la cocaïne, c'est n'importe quoi. Mais que Jean-Michel ait été tué ou non, cela ne change rien au scénario, au décor de la cité. Alors que l'ancien flic évoque la pègre en herbe du quartier, un jeune guetteur passe et repasse devant nous. Pire, un charbonneur, le dealer de la cité, nous nargue, les bras chargés d'une petite table qui lui servira de bureau pour tenir sa comptabilité. Ici, il est chez lui.
Allez, on y va, parce qu'on va se faire caillasser là. Jean-Michel, mort comme un martyr de la drogue. Mais que faire contre cette procession macabre de gamins, punis comme les pires des voyous? Comment stopper leur ascension criminelle? La réponse vient peut-être aujourd'hui du deuxième étage de ce bâtiment du centre de la ville. Le siège du préfet de police. Alain Gardère avait été nommé en août 2011 à Marseille pour mener une guerre impitoyable à des trafiquants de drogue, dont certains sont devenus des assassins. Mais face à la recrudescence des violences, il vient d'être remplacé. Ils ont décidé de faire de ce trafic de stupéfiants leur mode de vie. Je pense qu'ils l'ont fait en toute connaissance de cause. Ils savent qu'ils prennent un risque, bien sûr, de se faire attraper par les policiers, et puis d'autre part, de mourir. Je suis à peu près convaincu qu'ils le savent. Donc ils sont déterminés, ils ont choisi de ne pas travailler à l'école, de ne pas rentrer dans un mode de vie normal. Et à partir de là, ils prennent toutes les précautions que leur ont appris le mode de vie qu'ils ont pu observer. Bon. Armes à feu, pas de logement fixe, peu de biens apparents qui leur appartiennent, parce qu'ils ont bien compris que c'était leur fragilité, extrêmement difficile à joindre, pas de portable. Donc tout ça leur donne une forme de vie clandestine. Donc c'était extrêmement difficile de les cerner, de les attraper, donc c'est leur mode de vie. À partir de là, ils doivent démontrer qu'ils sont capables de tenir un trafic de stupéfiants. Donc ils sont plus forts que les autres. Et pour ça, il faut faire preuve de violence à un moment ou à un autre. Comment lutter contre ces trafiquants? Cette question se pose tous les jours dans les mairies des quartiers nord. Ces quartiers difficiles, Samia Ghali y a vécu pendant plus de 25 ans, avant de devenir sénatrice et maire du secteur. Selon elle, la situation est telle qu'aujourd'hui, certaines cités sont devenues des favelas à la française. C'est quoi la différence? Quand on est capable de tuer de sang-froid ses collègues, des jeunes, c'est quoi la différence? Quand on est capable de tirer sur une dame qui n'a rien à voir, qui s'est pris deux balles dans le ventre et qui est morte, c'est quoi la différence? C'est quoi la différence quand on est dans un trafic de drogue à un niveau international? C'est quoi la différence avec les favelas? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. C'est parce qu'on est en France et qu'on n'ose pas dire que... Et que parce qu'ils ne sont pas dans des bidonvilles, mais ils sont dans des cités. C'est peut-être la seule différence. Samia Ghali est en colère. Un nouveau règlement de compte vient d'avoir lieu juste à côté de sa mairie. Un jeune éducateur a été tué d'une rafale de Kalachnikov. Juste en face d'un lycée, à l'heure de l'arrivée des élèves. C'est le 14e meurtre depuis le début de l'année 2012, à Marseille et dans sa périphérie. Je pense qu'il faut d'abord maintenant décider de désarmer Marseille, désarmer les cités, il faut qu'on aille. Et à ce moment-là, ben, s'il faut y mettre l'armée, il faut y mettre l'armée. Moi, je crois qu'il faut y mettre les vrais moyens. On est dans une situation aujourd'hui, on est capable, ben, nos soldats qu'on envoie en Afghanistan, ben, il faudra les mettre dans les cités parce que, oui, on a aussi ici, d'une certaine façon, des terroristes. C'est rare qu'on entende une personnalité de gauche faire appel à l'armée pour régler les problèmes des quartiers. Écoutez, moi, je suis pas une personnalité. C'est pas une question de personnalité de gauche ou pas de gauche. Je suis un être humain qui voit au quotidien des familles souffrir. Je vois au quotidien des gens qui souffrent, qui sont dans la misère déjà, dans la précarité, et à qui on rajoute en plus la peur du lendemain. Ben, je considère qu'à un moment, c'est de la non-assistance à personne en danger et qu'il faut y mettre les moyens qu'il faut. Face à des gens qui ont des kalachnikovs, ce sont des armes de guerre, ben, il faut apporter des réponses. L'armée, c'est pour moi la meilleure des réponses. Mais comment en est-on arrivé là? Pour le comprendre, nous nous rendons à la Savine. Des détritus partout, des immeubles sans charme construits dans les années 60. Une voiture désossée, puis brûlée. C'est ici que Philippe Pujol nous a donné rendez-vous. Il est le seul journaliste marseillais à pouvoir pénétrer au cœur des quartiers, ces zones de non-droit. Le journaliste veut nous parler de la Castellane, une cité à quelques kilomètres à peine du Vieux-Port et de la Canebière. Structurée autour de la drogue, cette cité a colonisé tout le nord de la ville. La Castellane, un Lego géant vu du ciel. Autrefois cité modèle, elle n'est plus que l'ombre d'elle-même aujourd'hui.
Au fil du temps, elle est devenue l'un des carrefours de la drogue les plus fréquentés du sud de l'Europe. Cette cité, comme tant d'autres, s'est structurée autour de la drogue. En tout, une dizaine de territoires répartis au pied des immeubles. Si on part du chouf jusqu'au à la tête de réseau, au gros dealer, il y a différents choufs. Il y a les plus jeunes, qui ont à partir de 13 ans généralement. Ils en ont parfois en dessous, mais c'est assez dur à recruter des très jeunes, parce que souvent il y a quand même des associations, des familles qui les empêchent. Ensuite, il y a les guetteurs qui vont être plus en hauteur, par exemple. Il y en a qui sont dans des appartements, dans des cages d'immeubles. Et après, il y a les guetteurs en scooter, qui sont les guetteurs ultimes, qui sont les mieux payés. Mais ça veut dire quoi, mieux payé ? On peut monter jusqu'à 100 euros au jour. Après, à l'étage au-dessus, on va passer au charbonneur, celui qui porte le shit, des petites quantités. Et après, il y a des réapprovisionneurs, ceux qui vont venir leur en redonner quand ils en ont plus. Et après, au-dessus de ces points de vente, il y a un ou plusieurs coupeurs qui conditionnent, à qui on amène des quantités de drogue. Drogue qui est stockée pas en un seul point, mais dans plusieurs, souvent, appartements voire, ou des box, qui sont des nourrices. Et généralement, comment on recrute une nourrice ? Une nourrice, c'est un homme ou une femme, même, ça s'appelle une nourrice. Alors on les recrute parce que c'est les plus vulnérables, des gens qui ont besoin d'argent et qui n'ont pas le choix. Alors les nourrices sont souvent des gens qui n'ont aucun casier judiciaire, des gens bien. Et après, il y a différents lieutenants qui vont être les comptables de tous les points de vente, qui vont gérer tout ça, des gérants. Hein. On est dans une entreprise avec des gens qui vont gérer plutôt l'approvisionnement. Bref, une entreprise commerciale de cannabis parfaitement organisée, avec un gérant et ses lieutenants. Au bout de la chaîne, un commercial protégé par une armée de guetteurs. Chiffre d'affaires de la Castellane, 100 000 euros par jour. C'est pour le préserver que des bandes s'entretuent à Marseille. En France, les chiffres liés au trafic donnent le vertige. Le ministère de l'Intérieur a recensé environ 1000 grossistes. Ce sont ceux qui achètent le cannabis au Maroc et qui l'acheminent en France. Ils le vendent à 15 000 semi-grossistes qui dispatchent la drogue à plus de 100 000 dealers chargés de la vendre. Quant aux guetteurs qui assurent la sécurité de la vente, ils seraient plus de 300 000. Le chiffre d'affaires de cette organisation criminelle, 3 milliards d'euros. L'un des problèmes majeurs en France dès lors qu'il s'agit de cannabis, ce sont les consommateurs. On retrouve le major Michel pour une nouvelle intervention. Mais cette fois-ci, il va appréhender de simples acheteurs. Non pas pour les faire tomber, mais plutôt pour recueillir des informations sur les lieux de vente et sur les réseaux. Là, il quitte les lieux, alors attention, il y a une Mercedes CS2. Ouais, Mercedes 190 noir à vue. Oh, les gars, la bonne personne, il passe devant la Rouguière, direction Saint-Marc. Fais gaffe qu'il jette pas. Monsieur, bonjour. Service de police, vous descendez du véhicule, s'il vous plaît. Rien interdit sur vous, monsieur. Pardon ? Rien interdit sur vous ? Du shit. Du shit, il est où ? Oui, dites-moi le tout de suite, c'est mieux. Hein. Petit bout ? Oui. Hop là ! Oh, c'est pas grave. C'est des feuilles. C'est pas grave. C'est tout ce que vous avez ? Oui. Sûr ? J'ai encore un petit bout là. Ah. J'ai deux. Vaut mieux, hein, dites-nous. Hein, là, je joue franco, là. Voilà. Entre adultes. Voilà. Ah, voilà. Combien ça coûte, ça ? Ça coûte 10 euros. 10 euros ? À quel endroit ? Ça renseigne un peu sur les prix. Hein. À la Moularde. À la Moularde. Vous l'avez acheté quand ? Il y a janvier. Ah, vous en venez carrément là. Oui. D'accord. Benoît. Quel âge vous avez, monsieur ? 56 ans. Oh, peut-être qu'elle était à la maternité à Issam, peut-être. Venez, ce mec-là, on va discuter avec vous. Être adulte, on va discuter franchement. Oui, oui, oui. Ben, voilà. Non. Il faut arrêter les jours, peut-être, mais bon, pour l'instant. J'y arrive pas. Voilà. Je suis suivi psychiatriquement. Il faut essayer quand même. Hein. Tout, mais j'arrive voilà. Pas. Non, j'arrive pas. Que faire de ce quinquagénaire addict à la fumette ? Vous avez reçu, la décision est prise de le relâcher. Si tu l'as vu, on fait comme on t'a dit, on fait comme pour d'autres clients arrêtés plus tard par les équipes du major Michel. Deux jeunes filles d'une vingtaine d'années qui viennent d'acheter deux barrettes pour 50 euros. Elles seront placées en garde à vue, puis libérées. Ou cet étudiant qui a traversé Marseille en scooter pour se payer sa dose de cannabis. Ou enfin ce commerçant du centre-ville, menotté et placé en garde à vue.
Ils sont tous passibles d'une peine d'un an de prison et de 3 500 euros d'amende. Mais la justice se montre plutôt clémente à leur égard. Principaux risques pour eux, un rappel à la loi, une amende ou une obligation de soins. Tout se passe comme si la consommation de cannabis était devenue banale. Les consommateurs sont plus de 5 millions en France. Pour satisfaire tous ces consommateurs de drogue, le soir venu, les trafics tournent à plein régime. C'est une véritable économie parallèle qui repose au début de la chaîne de distribution sur les guetteurs. Ils se relaient 24 heures sur 24 de l'autre côté de la corniche et du Vieux-Port pour chasser les gêneurs. Nous retrouvons Gilles Tachon, l'ancien policier de la BAC. Ce soir, il nous emmène au plus près des points de vente de cannabis. C'est ce que les policiers appellent un plan stup. Voilà, il y en a un qui se tient là devant, là aux poubelles, là. Ici, celui-là. Donc avec sa capuche, là, qui vient voir. Celui-là. Ah ouais, il chauffe, c'est ça, il est chauffeur, ça. Ouais. Chouffe, verbe chauffer. Ce qui veut dire, en langue arabe, chauffer, c'est voir, regarder, surveiller, faire le chauffe. Les deux là-bas, vous les voyez là-bas? Ah, ils sont sur le rebord et ça chauffe. Vous voyez ça? Ah, pas que la caméra, sinon on va se faire caillasser. Si jamais... Il voit une voiture suspecte ou quoi que ce soit, donc il pousse son cri de guerre. Il avertit donc ses co-légionnaires et puis donc le plan se disperse. Il s'envole dans la nature. Le temps que la réaction des policiers se fasse, tout le monde aura regagné un point, donc ils ne soient pas inquiétés par le contrôle de police. Nous pourrions rouler des heures comme ça, pour découvrir ici et là le même système, la même organisation. Mais avant de rentrer, Gilles Tachon veut nous montrer comment les jeunes guetteurs se réchauffent, tout en signalant leur présence aux acheteurs. Vous avez un point de surveillance, là, par une chouffe qui alimente le feu. Il y a une permanence qui est assurée, là, tous les jours. Donc, jusqu'à 2h, 3h du matin. Mais si la police arrive, tout le monde les voit, là. Ah oui, bien sûr, tout le monde les voit, mais on ne peut rien leur reprocher. C'est une photo bien marseillaise. Donc, les chouffes, là, ils se réchauffent, ils font le feu de bois, ils sont après visionnés. Donc, la journée, les minots donc, ramassent des cagettes les morceaux de bois. C'est pas pour faire le four rapide, hein. C'est pour se réchauffer une partie de la nuit, là, qui est quand même assez froide. Mais ils attendent les clients, donc, de cet endroit-là. Tu crois qu'il faut filer vite, là? Ah, ici, plutôt intérêt, oui. Au petit matin, les guetteurs rentreront chez eux. Dès le lendemain soir, ils retrouveront leurs emplacements. Des guetteurs, il y en a partout dans la ville. À Marseille, en travaillant quelques jours par mois, ils peuvent gagner jusqu'à 2000 euros, cash. Mais comment les guetteurs reconnaissent-ils les intrus? C'est Michel, le major de police, qui nous donne la réponse. Les jeunes guetteurs sont payés pour observer, ils sont organisés et parfois très culottés. Ils connaissent les voitures, ils connaissent toutes les voitures de police, aussi bien dans les bacs que nous dans la compagnie de sécurisation. Donc, soit ils ont un petit papier avec toutes les plaques. Hein, quand on interpelle les guetteurs, on voit un petit papier avec les plaques minéralogiques de nos voitures. Certaines cités, c'est même marqué sur les murs, sur les bâtiments, hein, carrément, c'est tagué avec toutes les plaques minéralogiques. Et récemment, il y a quelques mois, un t-shirt qui tournait dans les cités de Marseille, marqué ARA. ARA, donc c'est le mot, hein, qui crie quand on rentre pour avertir le vendeur. Et sur ce t-shirt, on avait les plaques minéralogiques, avec les calandres des voitures de chez nous, avec les logos. Et ce t-shirt se vendait dans les cités, je crois pour 10-15 euros. Ça tournait sur Marseille pendant quelques semaines. Donc là, ça s'est arrêté, mais on en a vu quelques-uns de ces t-shirts. Hein. Les moyens des forces de police sont de plus en plus dérisoires, tant les trafiquants sont réactifs et nombreux. À 50 mètres à vol d'oiseau du commissariat de police, la Bassins, un des lieux de vente les plus rentables de la ville et surtout une spécialité locale, le Sheet Drive. En clair, comme les chaînes de restauration rapide, on ne sort plus de sa voiture pour commander et s'approvisionner.
À peine arrivés, les guetteurs nous repèrent. Le premier à droite, debout, est en survêtement gris. Le second, assis, en bleu. Quelques secondes, et ils poussent leur fameux cri de guerre. Un avertissement pour le dealer. Danger, il doit fuir tout de suite. Sur notre droite, un premier lieu de vente. Le dealer est debout, au vu et au su de tout le monde. Il attend les acheteurs, comme celui sur sa mobylette qui décampe. C'est le drive de ce filouin. Ça, c'est des bagnoles qui achètent. Ça, c'est les acheteurs. Et ça, ça s'appelle comment, là ? C'est le drive. Ça, c'est Bassin, c'est le drive de Bassin. Le shit drive. Alerté par les guetteurs, le dealer a pris ses jambes à son cou. Mais les clients sont toujours là. C'est au coin de cette rue que les consommateurs passent leurs commandes de drogue sans descendre de voiture. Ils payent leurs marchandises à ce guichet sur leur droite. Dissimulé dans le local poubelle, le trafiquant encaisse l'argent et fournit le produit, comme dans un drive de restauration rapide. Mais là, ce n'est pas un burger qu'on commande, mais des barrettes de shit. Mais là, on est passé devant le shit drive. Enfin, moi, ça me sidère, quoi. Enfin, peut-être je suis naïf. Mais voilà, tu passes dans la rue, on les voit. Là, dernièrement, on a fait un charbonneur qui nous disait qu'il touchait l'argent de la semaine avec le produit. C'était lui qui embauchait, un peu comme la plateforme du bâtiment. Le matin, il y a des jeunes qui se présentent, souvent des jeunes mineurs, qui se présentent, qui veulent bosser, quoi. Donc, ils leur filent, mettons, 80 euros par jour. Et ils font les guetteurs pour la journée. Les boulots des gamins de la drogue sont dangereux, le turnover permanent, l'embauche facile. Ce marché fait donc vivre beaucoup de monde. À la PJ, la lutte est constante et le patron Roland Gauze veut des résultats. Il y a une offre, une demande. Je n'ai pas joué sur l'offre, je n'ai pas joué sur la demande. La demande, c'est un problème de santé publique. L'offre, c'est un problème de géopolitique, de géostratégie. Ce n'est pas mon rôle. Moi, je suis policier. Je dirige une équipe d'enquêteurs. Nous, on est sur le business, sur la rencontre entre l'offre et la demande. On est là. On est sur ce créneau. Ce créneau, il existe, il est là, il est patent. Il faut qu'on travaille dessus. C'est tout, sans état d'âme. Et il faut taper, taper et retaper sur ce créneau-là. Seule une répression très sévère pourrait, selon lui, calmer l'ardeur criminelle des trafiquants. Une répression d'autant plus nécessaire que dans certaines cités, ils sont prêts à tout pour protéger leur territoire. Vous passez par le haut, vous ? C'est ça, on passe par le haut, direction l'esplanade. Passez devant qui c'est la deuxième voiture, c'est eux ? Retour à la compagnie avec le major Michel. Dans quelques minutes, les hommes vont intervenir dans une autre cité des quartiers nord. Aujourd'hui, c'est Campagne l'Évêque. Allez, non, mais c'est moi qui vous donne le. Nous sommes en mai 2012. Il y a déjà eu 14 morts depuis le début de l'année. La compagnie est sur les nerfs. Alors, elle opère deux fois par jour pour stopper ou du moins ralentir les trafics. À Campagne l'Évêque, les dealers ont mis en place une stratégie pour contrer les interventions de la police. La particularité de ce plan, c'est le fait que les dealers bloquent les escaliers avec toutes sortes de caddies, des matelas, des sommiers, etc. pour empêcher les fonctionnaires de police d'intervenir rapidement sur le charbonneur. Donc depuis quelques mois, on a ce phénomène qui se répand dans quelques cités de Marseille. Donc c'est une difficulté supplémentaire pour nous pour intervenir et serrer les gars. Mais ce jour-là, il faut être discret. Seuls deux véhicules de police banalisés précèdent la voiture du major Michel. Au bout de cette rue, une muraille de béton de couleur rose, c'est Campagne l'Évêque. À 200 mètres de l'entrée, 200 mètres de l'entrée, message également pour Serge. On est à 200 mètres de l'entrée du haut. Allez, pour Michel, on rentre dans la cité, on rentre par le haut, c'est rentré. La priorité, ne pas se faire repérer. Peine perdue, les guetteurs ont déjà donné l'alerte. Top intervention, ça court. Un gars sur vêtement Adidas noir, cheveux longs. Le charbonneur a déjà disparu. On saura plus tard qu'il a réussi à échapper aux policiers. Mais au pied de l'immeuble, trois guetteurs n'ont pas eu cette chance.
ils sont fouillés des pieds à la tête. Mais les guetteurs n'ont jamais de drogue sur eux. En fait, l'objectif des policiers se situe quelques mètres plus haut. Et ce n'est pas un être humain. Alors là, le barrage il est érigé par les dealers, hein, par les gars, donc on ne peut pas accéder aux charbonneurs. Et il y a juste un petit passage pour passer la main, pour donner l'argent et récupérer le produit. Alors là, donc ils sont derrière, ils sont bien, ils sont à l'abri. Sauf que lorsque s'il y a un incendie, les gens ne pourront pas redescendre, ils sont pris au piège. Et on fera la une des journaux. Oh, qui c'est qui fait du bruit comme ça là? C'est qui là? C'est lui là. Tu entends ta gueule là? Voilà. Non mais est-ce que tu peux la fermer deux minutes? Non mais on travaille là, vous travaillez dans le silence. On travaille dans le silence, t'as compris? Mon collègue est au téléphone, il travaille, il peut pas travailler là. Le travail des policiers est ingrat. 10 fois qu'ils viennent et reviennent pour démonter ces barrages d'acier composés d'objets hétéroclites. Toujours les mêmes gestes. Trier, couper, cisailler, arracher, jeter. Pour permettre aux locataires des étages supérieurs de circuler librement. C'est la roue, là. Ah, ouais, mais j'ai la roue ici, là. Tu sors là. C'est un boulot utile, indispensable à la sécurité de centaines d'habitants. Mais Michel sait hélas qu'il reviendra à Campagne-l'Évêque. Systématiquement, ils font ça. Ah ouais, ça va être reconstruit dans les heures à venir. Ah bon, ça va recommencer. Il va se servir au supermarché du coin, il récupère des caddies, des matelas, des sommiers, des canapés, tout ce qu'ils peuvent pour obstruer le passage. Ah, Michel, c'est désespérant, ça, non? En cas d'incendie, ouais, là, on a pas mal d'étages, là, je sais plus combien il y en a. On va avoir 7-8 étages, avec 4 appartements par palier, ça fait pas mal de monde, en cas d'incendie, évacué, ouais. Ça veut dire que les gens, s'ils veulent descendre par les escaliers, ils peuvent pas? Par l'escalier, c'est impossible. L'escalier est interdit aux gens de la cité. Il est interdit. Ils leur interdisent le passage à l'escalier, ils peuvent leur emprunter exclusivement l'ascenseur. Mais si l'ascenseur tombe en panne? S'il y a une incendie, l'ascenseur va être coupé automatiquement. Hein. Et à partir de là, ben, ils sont pris au piège. Ouais. On a beau leur expliquer, apparemment, ça les intéresse pas. Prisonniers du business de la drogue, les résidents de la cité se montrent pourtant indifférents, blasés devant ce type d'intervention. La loi des dealers a encore été la plus forte. Ce jour-là, il n'y a eu ni mort, ni blessé. Mais 3 ans plus tôt, à Sevran, dans la région parisienne, 2 adultes et 3 enfants d'une même famille ont péri carbonisés dans l'incendie de leur immeuble à la cité des Beaudottes. Comme à Marseille, les caddies des dealers obstruaient leur cage d'escalier. J'ai entendu les cris quand j'étais couchée. Alors du coup, j'ai regardé par ma fenêtre, j'ai vu des flammes énormes. J'ai fermé ma fenêtre, j'ai été tout de suite me réfugier sur le balcon en attendant les pompiers. Et puis, c'était des cris partout. Il n'y avait pas d'issue parce que les escaliers sont condamnés avec des poubelles et des caddies. Comment descendre? C'est les dealers, tout le monde le sait. C'est-à-dire, ils faisaient quoi? Ils bloquaient et... Ils bloquaient le passage, carrément. Avec les chariots. Les chariots, pour empêcher la police de monter. On en a marre de cette ville, c'est tout. C'est tout. La guerre de la CAM, avec l'argent comme seul horizon. Nous essayons de comprendre. Que s'est-il passé il y a 3 ans à Sevran? Comment cette ville est-elle devenue la plaque tournante de la drogue en région parisienne? De Paris, il faut moins de 20 minutes d'autoroute pour rejoindre Sevran. Il y a 40 ans, c'était une bourgade tranquille, sans histoire, avec ses rues commerçantes, ses résidences pavillonnaires. Aujourd'hui, c'est une ville champignon. Plus de 50 000 habitants. Elle compte 35% de demandeurs d'emploi parmi les jeunes de moins de 25 ans. Dans des cités qui se sont paupérisées au fil du temps et dont le cannabis est devenu l'étendard d'un commerce en pleine expansion. Stéphane Gatignon, le maire, reconnaît avec un réalisme qui peut choquer.
comment le cannabis est devenu la spécialité de sa commune. Là, aujourd'hui, dans le secteur, depuis très longtemps, on achète là parce qu'il y a une gare routière. Il y a le RER, la gare routière. On n'est pas dans la première couronne, la deuxième couronne. Et donc, il y a une proximité, on se déplace assez facilement. Et puis ensuite, on a toujours eu une très bonne qualité de produit ici. Parce que beaucoup de gens sont issus notamment du Maroc. Et donc, dans les premiers Go Faster, il y avait des gens de Sevran et tout ça. Et donc, c'est naturellement que ça s'est construit avec un excellent rapport qualité-prix. Et donc, petit à petit, les autres ont acheté à Sevran pour redealer. Donc, on est devenu un marché, j'allais dire, de semi-gros rapidement. Mais avec l'explosion du cannabis et la consommation de masse depuis une dizaine, quinzaine d'années, Sevran est arrivé au premier rang des villes. Et les mecs qui vendent à Sevran, au premier rang des vendeurs sur d'abord l'Est parisien, puis l'Est de l'Île-de-France, puis aujourd'hui une bonne part nord-est de la France. Après de longs mois d'enquête, nous avons pu rencontrer l'un de ces semi-grossistes. Nous l'appellerons Mehdi. Une petite quarantaine d'années. Il ne se définit jamais comme un trafiquant de cannabis, mais comme un commerçant. Lui, il ne compte pas les barrettes en grammes, mais en kilos. Ce jour-là, il a rendez-vous avec des clients susceptibles de lui acheter une grosse quantité. Qu'est-ce que tu veux, toi? T'as besoin de quoi? C'est la paquille, hein, c'est le double zéro. Tu veux en prendre combien? S'il est bien, s'il te plaît. Je prends un ou deux litres, tu veux pas combien? Je sais pas, non, je fais 3-4, mais en cash. 3-4, c'est bon. 3-4, là, c'est bon. Je vais reposer 5-6 kilos là-bas. Comme ça, tu passes. Merci. Allô, ça va, mon frère? C'est comme si j'étais un courtier en shit. Tiens, toi, tu veux 10 kilos, l'autre les vend tel prix, t'essayes de prendre une caisse, voilà. Courtier, mais aussi négociant hors pair. Comme n'importe quel commerçant qui irait chercher sa marchandise dans un marché de gros, Mehdi se procure son produit à la source. Dès qu'un convoi remonte du Maroc et arrive dans la cité, il est le premier sur place à négocier les meilleurs tarifs. Moi, je suis en relation directement avec le mec qui vient chercher au Maroc. Ça fait que j'ai une touche privilégiée par rapport aux autres personnes. Dès que la voiture elle arrive d'Espagne, j'ouvre le coffre, moi j'ai le shit au premier prix. Le premier prix, c'est le prix en gros. Et peu importe la quantité que je prends, moi le prix que j'aurai, personne ne l'aura. À partir du moment où tu prends en charge une quantité de drogue, tu dois faire le maximum pour que ça ne te reste pas dans les mains. Parce que si ça te reste dans les mains, ça veut dire que c'est pas vendu. Si c'est pas vendu, c'est une perte d'argent. Vas-y, à tout à l'heure, mon frère. Comment a-t-il plongé dans cette illégalité? Moi, depuis que je suis petit, je suis né dedans. Hein. Je me levais le matin, je regardais les grands de ma cité, ils vendaient du shit. Hein. Moi, je restais à côté, parce que quand il y a les keufs, ils arrivaient, les jeunes, ils jetaient tout le shit par terre, et moi, je la ramassais. Et j'allais le revendre. Hein. Et voilà comment je faisais de l'argent. Un jour, j'ai rencontré une femme avec qui j'ai fait mes enfants. J'ai tout arrêté. Je me suis mis à travailler, tout ça, dans la légalité et tout ça. Rupture amoureuse. Je me suis retrouvé tout seul, sans argent, sans travail, sans logement, à pied. Du jour au lendemain, je me suis retrouvé à pied dehors, sans rien. Je suis retourné dans mon quartier d'origine et je me suis mis dans les affaires. J'ai fait quelques go-fast histoire d'avoir un petit peu de sous. Je me suis lancé dedans, j'étais kamikaze. Je risquais ma vie, j'en avais rien à foutre. Du moment que ça payait, j'en avais rien à foutre. Et j'ai eu beaucoup de chance. Depuis, Mehdi possède un territoire, un terre-terre comme on dit à Paris. Un espace avec ses frontières bien délimitées et ses petites mains qui vendent, guettent et coupent la drogue. Nous parcourons avec lui sa zone de vente. Après 3 mois de tractation, nous l'avons persuadé de nous dire comment fonctionne ce business du shit. Il a accepté de nous montrer où il cache les petites quantités. Dans la cave d'un immeuble. C'est là qu'il retrouve un dealer pour faire l'inventaire de la marchandise qui lui reste. Du shit, mais aussi de la skunk, une herbe très forte. Tac, 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 là. Des 20 balles, il y en a combien? 240.
3, 10. 3, 9, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 6 sur, je ne parle plus rien, 4, 4, ça ne veut pas. Marque sur un papier qu'on n'a pas. Je vais repasser dans une heure pour me donner ce quota, parce que pour le reste, j'ai encaissé. Et je vais te recharger 120 ou 230 de shit. Et la seconde que je termine ça, et après tu me dis, tu m'appelles, tu me dis, voilà, c'est bon, j'ai fini. Et comme ça, je te recharge en seconde ou je t'envoie quelqu'un. Vas-y, ok. Enfin, ce soir, on brûle, vas-y, je ferai de la de la marchandise qui ne reste jamais longtemps en main. Dans un autre coin de la cave, un second dealer est déjà au boulot. Tu voulais quoi ? Du pochette. Une pochette de vraiment ? Ouais. Tiens, c'est de l'amnésia. De l'amnésia, une autre catégorie d'herbe. Un produit d'appel pour les équipes de Mehdi qui, ce soir, savent qu'elles vont réaliser un très bon chiffre d'affaires. Ouais. Nouveau rendez-vous de Mehdi, mais cette fois-ci dans une rue pavillonnaire. Il doit récupérer de la frappe, du cannabis de très bonne qualité. Il vient d'arriver d'Espagne par GoFast. Là, c'est tout complètement, on arrête tout. Parce que ici, c'est le rendez-vous ici. C'est tout. Faut même pas que le mec il se voit. S'il vous voit, il va se marrer. Allez hop. Mehdi a récupéré un pain. On appelle ça une savonnette. D'une centaine de grammes. Il sait qu'il a en main du très bon produit. Il sait aussi qu'un membre de son réseau l'attend de l'autre côté de la ville pour le revendre au détail. Quelques marches, un hall, une cage d'escalier, pas plus de 10 mètres carrés. C'est le territoire que Mehdi a concédé à son dealer, un jeune homme de 21 ans. Mehdi propose à son dealer du paki, une résine de cannabis qui vient de la région de Ketama dans le Rif marocain. 3500 euros le litron, ça veut dire le kilo. Les deux hommes viennent de se mettre d'accord sur le prix. Marché conclu, ce dealer gagne en moyenne 4000 euros par mois grâce à la marchandise de Mehdi. Du cash rapide, net d'impôts. Mais il risque gros. Une peine de 10 ans de prison, mais aussi sa peau. En juin 2011, deux ans après l'incendie de la cité des Bedottes, des gangs rivaux se sont affrontés pour la conquête d'un territoire. C'était à proximité d'une école maternelle. Les dealers se sont tirés dessus, à coups de fusil d'assaut, sous le regard des enfants. Pendant 3 semaines, les récréations des écoliers ont été supprimées. Depuis, la violence va crescendo, sous le regard impuissant du maire de la ville. Le problème, c'était pour récupérer des lieux de deal. Alors moi, quand je suis arrivé il y a 10 ans, les lieux de deal s'échangeaient, j'allais dire, à la bonne franquette, quoi. Après, ils se sont achetés. En sevrant un pas de porte, on estime à peu près un bon pas de porte qui fonctionne bien, 25 000 euros, l'achat. Et en fait, on se rend compte que l'évolution fait qu'aujourd'hui, en fait, les mecs, ils se tapent pour un pas de porte, pour un lieu, à coups de flingue, quoi. Mais comment lutter contre des voyous surarmés, alors que le commissariat de police locale manque cruellement de moyens ? Comment combattre des bandes rivales qui ne pensent qu'à une seule chose, le fric à tout prix ? Stéphane Gatignon est inquiet. Il ne cesse de demander de l'aide, mais personne ne l'entend. Un, on a des bandes qui se tirent dessus. On a eu des morts, on a des blessés. On va pas attendre un nouveau mort. Deux, les gens sont terrorisés dans le quartier. Et derrière, ça fait le lit que d'autres forces que des forces démocratiques et tout ça. Trois, aujourd'hui, pour empêcher ça, il faut une forme d'interposition. Donc, j'ai dit, on envoie des casques bleus dans les quatre coins du monde pour éviter que des gens se tapent dessus, se tirent dessus, etc. Mais là, aujourd'hui, c'est cette forme de conflit, c'est mort, ils sont chez nous. Rien n'a changé à Sevran depuis cette série d'affrontements. En guise de casque bleu, le maire n'a obtenu que les renforts des CRS. Une poignée d'hommes qui patrouillent parfois dans les cités, plus pour rassurer la population que pour sécuriser le quartier. Leur présence ne change pas grand-chose aux habitudes des dealers. Sur les parkings de la cité, les consommateurs font toujours leur marché et les trafiquants leurs bénéfices. À peine plus loin, l'immeuble qui a brûlé accueillera bientôt ses nouveaux locataires. Il y a 3 ans, on enterrait les victimes du 9e étage.
Une mère et ses trois enfants étaient prisonniers des flammes, car les caddies des dealers bloquaient les escaliers. Aujourd'hui, les caïds de la drogue ont repris leurs droits et leur territoire. En bas de l'immeuble qui a brûlé, un jeune guetteur en capuche blanche attend les clients. Il y a longtemps que les gens des quartiers ne parlent plus des trafics de drogue. La peur, la crainte des représailles favorise la loi du silence. Mais dès que l'on s'éloigne des territoires dans les tours HLM, les langues se délient. Retour au centre-ville, place Bussière. Cissot, François et Émile vivent dans la cité des Beaudottes. Mais ils préfèrent se retrouver ici pour de longues palabres à l'africaine. La présence de notre caméra les intrigue. Nous évoquons les problèmes liés au business de la drogue. Ils ont besoin d'en parler, de dénoncer la profondeur du mal qui ronge leur cité. On est habitué, on est habitué. On côtoie le mal et le bien de façon concomitante. À un moment, on ne sait plus où est le mal, où est le bien. Et pourtant, c'est bien le mal, c'est faire mal à l'autre, empêcher l'autre. On le sait bien. Mais quand on les voit se promener... Attends, 8h30 du matin, tu sors, ça sent de l'herbe dans tout le couloir, de là, c'est pas normal. À 1h, 2h du matin, t'as le vieux qui rentre chez lui, hop, sur le hall, ça fume, il ouvre l'ascenseur, ils sont là, ça fume et tout ça, etc. Ils en peuvent plus, les gars. Le sentiment d'insécurité, pour nous, on l'a intégré. On l'a intégré. Et on commence à en faire une force parce qu'on pense que c'est en intégrant ce genre de comportement qu'on peut, après, les changer plus ou moins, leur faire comprendre que c'est pas bon. Il y en a un qui va péter un plomb de ces quatre, ça c'est sûr. Il y en a un qui va se lever un matin et va tirer sur tous les petits voyous qui sont en bas. Parce qu'il y a des gens, ils n'ont pas peur. Il y en a, ils font mine de rien, ils montent, mais c'est le cœur qui bat, c'est la haine qui monte, c'est la tension. Et puis à un moment donné, il y aura une histoire comme ça où ça sera vraiment banal. Hein. C'est comme ça, c'est comme ça que j'avise. Pour moi, c'est une urgence. Hein. Surtout ici, c'est vraiment une urgence. Il faut les stopper avant. C'est des petites 15, 16 ans, 17 ans, c'est des gamins. Si on laisse pousser le temps qu'ils aient des grades, des armes, ils ont le temps de se réveiller encore, c'est pas bon. C'est pas bon. Nous quittons Sevran pour retrouver Mehdi, le revendeur, au bord d'une voie ferrée. Son téléphone sonne tout le temps. Souvent des grossistes qui ne tiennent pas les délais pour les livraisons. Hein ? Hey, tu repasses-moi l'autre bâtard, là, s'il te plaît. Ben là, je suis pas loin, là. Vas-y, tu déplaces les affaires, là. Les gens qui m'attendent, là, sale chien, là. Ils ont fait du déplacement, là, pour rien, là, tu me bloques. Là, je suis... La bâtard. Depuis tout à l'heure, je t'attends, là, t'es en train de me foutre la honte, là. Tu fais du cinéma, là, en fait. Hein ? Tu es méchant, là, tu fais du cinéma, un peu, là. Ben ouais, pour les speeder. Sinon, ils vont dormir, ils vont me laisser les affaires comme ça. Moi, les gens derrière, ils attendent leur shit et tout ça, je passe pour un con. La vie de Mehdi est une succession de galères, d'insultes, de peurs. Celle de se faire arrêter ou de se faire tuer. Il refuse de nous dire combien il gagne. Mais pour frimer, il aime l'idée de se comparer à un trader. Il vend de la drogue, mais n'importe quel autre produit ferait l'affaire. Comme la bourse. Un jour, c'est 10 kilos, il va prendre. Le lendemain, c'est une plaquette. C'est en fonction de ce qu'ils veulent que je leur donne. Moi, quelqu'un qui a de l'argent, il va l'acheter quelque chose, je lui donne. Même il va acheter du sable, il va acheter du plastique, du carton, n'importe quoi, je lui donne. Moi, le shit, c'est un produit comme un autre. À ton niveau, on gagne beaucoup d'argent, parce que ça rapporte. Qu'est-ce qu'on fait de son argent ? Qu'est-ce qu'on fait sans l'argent ? Après, ça dépend quel rythme de vie que tu as. Après, c'est sûr, pour moi, pour faire ce que je fais, j'ai besoin d'en cramer de l'argent. J'ai besoin de faire voir que je suis fiable. Je vais pas jouer à faire le mangeur de pierre, à pas sortir, par exemple. Faut les suivre. Hein. Parce que moi, je traîne. Je côtoie beaucoup de gens qui... Tous mes amis, ils sont quoi vivre, quoi, on va dire. Être crédible. C'est la crédibilité. La crédibilité, ça, c'est le plus important. C'est dans ces boîtes de nuit que Mehdi réalise ses meilleures affaires. Un carré VIP, des jolies filles, du champagne, juste de quoi épater ses futurs clients. Tout le monde le sait. Les trafiquants ont leur table réservée dans les endroits les plus prisés de la capitale. Le monde de la nuit est une implacable lessiveuse qui laisse peu de traces.
Retour à Marseille. La ville est belle, parfois éblouissante, mais les trafiquants l'abîment. Comme chaque jour, le major Michel et ses équipes se préparent. Ils ne veulent rien lâcher. C'est la 10e intervention cette semaine. Aujourd'hui, l'opération risque d'être plus compliquée. Depuis l'aube, la cité a été infiltrée par des flics cachés dans les étages des immeubles. C'est une opération difficile. Les policiers s'arment lourdement. Christian, un des équipiers de Michel, est déjà en haut de la tour. Tiens, quel étage ? 15e. Ça fait un peu tôt peut-être, hein, Christian ? Non ? Il est au premier. Tiens, encore 14 étages. Hein. Christian sait que le dealer de la cité occupe son poste à l'entresol du même immeuble. Minute par minute, étage par étage, il donne sa progression à ses collègues qui se sont postés juste à l'entrée des cyprès. Allez. Pour le dispo, on commence à bouger lentement, on se dirige lentement. Tiens, quel étage, Christian ? 10e étage, 2x5. Michel, Eric. Ouais, attends encore un petit peu, Eric. Quel étage, Christian ? 7. 7. 7e étage, 4 et 3. Ah, Christian, on rentre au boulevard rue Marathon. C'est bon pour toi ? On arrive face à la tour. 20 mètres, ça gueule, ça y est, c'est parti. Top intervention. Le dealer a tenté de s'échapper en remontant jusqu'au 2e étage. Mais Christian, le policier qui était au-dessus de lui, quelques étages plus haut, réussit à l'intercepter. Moi, j'ai tendu le serrage. On a le chouf en bas. Maîtrisé et menotté, une fois de plus, les policiers découvrent que le charbonneur est un jeune homme, presque un adolescent. C'est bon, je l'ai fait, mais sommairement, donc fais le bien. C'est quoi ? T'habites où ? Ici. Où ici ? Quel étage ? Il faut y aller, hein. Ouais, on a déjà le chouf. On a le chouf en bas. Tu viens, là-haut. Tu vas l'avocat ? Commandant, avocat et médecin. Je te le renvoie, l'ascenseur. Il y a rien pour toi. Il y a quelqu'un chez toi, là ? Oui, il y a ta mère. C'est ta mère. Bonjour, monsieur. Bonjour. Allez, attends. Il va avocat, médecin. Quel âge tu as, jeune ? 19 ans. 19 ans ? Je ne les fais pas. Franchement, non. Mais tous les blacks et les chinois, c'est pareil. On ne donne pas d'âge. En plus, t'as grandi sur le remords, c'est encore pire. Et t'as pas bu de lait par contre, parce que tu es petit. J'aime pas ce qu'il y a des produits et tout. Ah, les produits laitiers, et voilà. J'arrive pas. Tu regardes pas dans la télé ou quoi ? Tu regardes pas la télé, les produits laitiers, c'est bon pour la vie. C'est bon le lait, papa. Ne dites pas, monsieur, ma mère, que je me suis fait attraper avec ça. Mais non, par contre. Juste vous fouiller. Dites pas. Je suis responsable, c'est l'officier. Bon, pour simplifier, il y a du sucre toi déjà ou pas ? Non. Sérieux ? Bonjour, c'est la police. L'instant décisif de l'opération, la perquisition. Le garçon vit chez ses parents. Les chiens arrivent en renfort. C'est votre fils, madame. C'est bien votre fils, hein ? Non, je vous demande, c'est bien votre fils. Dans la cuisine, la mère semble presque indifférente à l'intrusion des policiers. Voilà, tu as tout compris, toi. Si tu es coopératif, tu sais que faut t'avouer, moi, tu es pardonné. Je peux pas venir, on m'a enlevé un flac, comment tu veux venir ? Longtemps que tu charbonnes ici, là ? C'est la première fois. La première fois, tu te fais attraper, mais que tu charbonnes. Ah ouais, tu fais rigoler ta sœur. Et ouais, elle rigole, ça la fait rire quand tu dis ça. La mère du jeune homme ne jette aucun regard à son fils. Les policiers plaisantent même avec lui. Même s'ils savent qu'il dormira sûrement ce soir au Beaumet, la prison marseillaise. Montée à la gamelle, comme ils disent. Tu connais la zone ou pas ? Pardon ? La gamelle, tu la connais ou pas ? Vous inquiétez pas pour ça, monsieur. Tu es monté déjà ? Pardon ? Tu es déjà monté ? Jamais monté. Jamais. Ça t'inquiète pas de monter ?
Tu n'as pas de responsabilité, bien sûr. On assume, non ? Oui, mais il faut que tu assumes, oui. Et tu quoi, tu vas aller à lui, non, au bon matin ? C'est le juge qui décide. Ah, voilà, je croyais que tu voulais choisir, moi. Je rigole. C'est lui le exposé sud, nord. Qu'est-ce que tu veux ? Avec ou sans terrasse ? Avec ou sans terrasse ? Avec ou sans douche chaude ? Tiens, c'est vous. Douche ou baignoire ? Rien. Comment rien ? Tu te laves pas ? PS3 ? PS3 ou Xbox ? De l'humour pour tenter de faire parler le jeune homme. Mais toujours les mêmes scènes. Un charbonneur qui quitte sa cité sous bonne escorte. Le quartier a mauvaise réputation. Quelques semaines plus tôt, lors d'une opération identique, les forces de police ont été prises sous un déluge de projectiles. Elles ont dû se replier à toute vitesse. C'est désormais à l'hôtel de police du 15e arrondissement, alors que les flics du GIPN s'entraînent, que se joue le sort du jeune homme. Il risque gros. Car au moment de son arrestation, il portait une sacoche remplie de cannabis, d'herbe et de quelques liasses de billets. C'est suffisant pour le présenter à un juge. Tu regardes là, on va faire l'inventaire de ta sacoche là. C'est tout à 10, ça, tu dis ? Les sachets, aussi ? Oui. Sachets à 10, tu les fais à 10, toi ? Ouais, moi, je te demande. Hein ? C'est, c'est toi qui les fais à 10. Tout est à 10. Les promotions. Il lui dit qu'il a trouvé la sacoche, après il s'expliquera. Hein. Il expliquera comment il trouve des sacoches et des escaliers, puis c'est bien de quoi travailler avec. Quoi. C'est tout. Hein. Mais c'est tout le temps comme ça ? Ouais, c'est récurrent, ouais. Et là, ce soir ou demain, le plan va reprendre avec un autre. Avant qu'il ressorte, il y en a qui prennent à sa place. Mais est-ce que vous savez ce que vous risquez, là, en étant charbonneur ? Prison. Hein ? Prison, non ? Ouais. Et ça vous fait rien, la prison ? Il y a personne qui échappe à sa fatalité. Il fait des rimes du tout. Tiens, c'est pas mal. Tout comme il est. Pas la maison. Et quoi, la fatalité, c'est d'aller en prison alors ? Je vous ai dit, on n'échappe pas à ma fatalité. Je vous ai pas dit, c'est d'aller en prison. Ah, mais pour pas aller en prison, il faut pas dealer. Il faut rester peinard, travailler. Non ? Non, sérieusement. Je parle sérieux, monsieur, vous m'avez pas vu. Non, mais voilà. Vous risquez la prison, la fatalité, on peut l'éviter, hein. Vous ne croyez pas ? On échappe à la fatalité. Le jeune garçon sera mis en examen. Après une nuit en garde à vue, il sera laissé en liberté. Mais lorsqu'il se présentera devant le juge, il risquera 5 ans de prison. En région parisienne, d'autres dealers risquent beaucoup plus gros. Louis, 16 ans, Hakim, 17 ans, c'est ainsi que nous les appellerons. Ils ont abandonné le lycée pour créer une sorte de halo shit dans les quartiers bobos de la capitale. Ils se rendent au domicile de leurs clients et les bons mois, leur chiffre d'affaires peut grimper jusqu'à 30 000 euros. De vrais petits patrons qui acceptent notre caméra pour nous expliquer implacable qu'ils ne font que répondre à la loi de l'offre et de la demande. On est indépendant et on se déplace et on travaille avec un téléphone. Donc on a nos puces et puis dans nos puces, il y a un répertoire avec un certain nombre de personnes qui nous appellent à n'importe quelle heure. Et puis on se déplace, on les ramène. Sinon après, ça dépend, on se déplace pour certaines sommes. On ne va pas se déplacer pour 20 euros non plus. On peut parler du chez client ? Oui, il y a un fichier client. Voilà, après, c'est un engrenage. On va donner ça à un tel. Un tel, il va le fumer avec ses potes. Ses potes vont être intéressés par ça. Et puis après, voilà, c'est comme ça que la clientèle est faite. Mais vous n'avez pas peur de la police ? Dans ce business, en fait, il faut être malin. Il ne faut pas faire ça en pleine rue, devant tout le monde. Il ne faut pas acheter n'importe quel type de téléphone. Si on veut faire ça et qu'on achète un iPhone, c'est sûr qu'on ne va pas tenir longtemps. Parce que de nos jours, tout est un peu surveillé, il y a des GPS partout, des caméras partout. Même dans les téléphones, il y a des systèmes de géolocalisation. Nous, on travaille vraiment avec des petits téléphones basiques, quoi, d'avant, comme ça. Voilà, un téléphone comme ça. Téléphone tout simple, sans nom.
Vendre des shit aujourd'hui, est-ce que c'est pas dangereux? Pour moi, c'est pas dangereux. Hein. C'est un peu comme si c'était légal, parce que maintenant, tout le monde vend et tout le monde fume. Je dirais pas que c'est normal, mais c'est devenu, au jour d'aujourd'hui, un peu banal. Quand vous rentrez chez vous, chez vos parents, qu'est-ce que vous faites? Je fais rien de spécial. Je rentre chez moi et je regarde la télé, je mange, je fais comme un enfant normal. On essaye de le cacher au maximum à nos parents parce que c'est... On voudrait pas qu'ils sachent qu'on fasse ça, en fait. Alors que ça se trouve, ils préfèrent nous voir avocat ou médecin ou un bon taf. Moi, personnellement, dans ma tête, je me suis dit, c'est provisoire. Si jamais je trouve demain un emploi avec un bon salaire et qui me plaît à moi, et pas parce qu'on je serais obligé ou contraint de le faire, ouais, là, peut-être, c'est sûr, j'arrêterai sûrement. Après, on compte pas aussi devenir des narcotrafiquants. C'est juste comme ça, on est jeune, on n'a pas d'autre choix. Ça nous permet de s'habiller, d'aller manger, de s'éclater entre nous, de partir en vacances certaines fois. Qu'est-ce que vous faites matériellement pour gagner de l'argent? Vous faites quoi? Vous nous dites, on se fait plaisir. On peut s'acheter des trucs de marque, de luxe. Genre, je sais pas, Gucci, Armani, qu'on n'aurait pas pu avoir si on serait resté à l'école ou si on demanderait à nos parents, parce qu'on sait qu'on peut pas l'avoir. Que deviendront Louis et Hakim dans quelques années? Auront-ils été tués par des concurrents? Seront-ils des criminels qui n'auront cessé de grimper dans la hiérarchie des trafiquants pour gagner encore plus d'argent? Ou deviendront-ils des citoyens presque ordinaires, parfaitement intégrés dans la société? Comme eux, la jeune fille assise sur le muret trace sa route. Nous la nommerons Leïla. C'est une jolie fille, aux allures de garçon. Au fil du temps, elle a su établir une relation de confiance avec les consommatrices. Vous venez souvent ici? 2-3 fois par semaine, à peu près. Et pourquoi faire? J'ai acheté du shit. Il n'y a pas de problème? Non, c'est une fille, j'ai confiance. Mais tu fumes le pétard, pardon. 6 ou 7, à peu près. Pas beaucoup. Ça fait beaucoup d'argent tous les jours. Ah ouais, mais vous inquiétez pas. Voilà, c'est bien servi et puis je sais que si j'ai besoin d'un chrome, elle me le fait. Un chrome, qu'est-ce que c'est un chrome? C'est-à-dire? Elle me donne et après, plus tard, je le rends. Un crédit? Voilà, un crédit. Et puis je préfère acheter à elle qu'à des gars, avec des garçons. Pourquoi? Les mecs, ils te servent mal, ils croient que t'es une bouffonne. Ils croient que t'es une meuf que genre ils vont te la mettre à l'envers. Un bout de jardin au pied d'un immeuble, c'est son territoire. La clientèle défile, souvent des jeunes filles. Leïla extrait la drogue de son soutien-gorge. C'est une ruse. En cas d'interpellation, les policiers, en général des hommes, ne pourront pas la fouiller. Elle dit que son chiffre d'affaires est de 1200 euros par jour. Vas-y, truc, ouais, putain. Un boulot très rentable, qui laisse même le temps à Leïla de partager un joint avec l'une de ses clientes préférées. Une lycéenne de 17 ans, une privilégiée des quartiers chics, qui vient s'encanailler en banlieue. Je viens acheter ici une fois par semaine, soit 20 euros, soit 50 euros. Je suis lycéenne, je suis en seconde. Dans votre lycée, il y a beaucoup de gens qui fument. Dans mon lycée, je dirais, il y a à peu près... vraiment la moitié qui fument ou qui ont déjà fumé. Généralement, on croit qu'il n'y a pas grand monde, mais au final, les parents, ils ne savent pas. Même si ça reste que vraiment irrégulièrement et que c'est en soirée, ils ont déjà fumé. Faut pas croire à l'innocence de tout le monde. Et ça ne fume pas au lycée? Dans le mien, je sais qu'il y en a quelques-uns. Après, ça dépend des lycées. Pourquoi vous ne l'achetez pas au lycée? Pourquoi vous venez ici, quoi? Parce que celui-là, il est meilleur. C'est de la frappe. La frappe? La frappe, c'est un terme pour dire que c'est vraiment du bon shit. Parce que ça te fracasse, tout simplement. Leïla n'est pas une dealeuse comme les autres. Sa cave, c'est aussi son repère. Au fond de ce couloir, sa cachette. Un sac de sport et un sachet en plastique, dont elle extrait, non pas de la drogue, mais des armes. Une carabine, un flashball en pièces détachées et une grenade qu'elle vient d'échanger contre du cannabis. Son client n'avait plus d'argent, il lui a proposé un troc. Ça, c'est une grenade.
C'est pas une grenade à battre. C'est une grenade défensive. Elle est faite. Elle peut te faire sauter un distributeur. Elle peut te faire sauter plusieurs trucs, tu vois le délire. Ça, c'est les cartouches de la carabine. Ça dépend, tu vois. Il y a le noir et les bleus. Le truc, je l'ai démonté, tu vois, parce que je voulais nettoyer, parce que je l'avais prêté, tu vois, il y a pas longtemps. Là, j'ai fait partir... Même pas il y a 3 jours, je viens de faire partir 2 grenades. Il m'en reste une. Mais je sais qu'il va m'en ramener le mois prochain. Tranquille. Ça vend combien, ça? Ça dépend, moi, je les vends 250€, la grenade. Et la carabine, hein? Je sais pas encore comment je la vois. Non, mais moi, je traque, moi, je préfère troquer. Je préfère avoir du shit. Ça dépend, tu vois. Je peux même si je veux, si je... 2 grenades, la carabine, je la troque contre une voiture. À la base, je regardais les armes sur Internet. Mais comme ça, je me disais pas dans ma tête, je vais en avoir ou... J'aimais bien. Tu vois. Et après, le délire, c'est quoi? C'est voilà. Ils m'en ont ramené, j'étais content, je me suis dit spécial. Une occasion pétante et le mec, je l'ai toujours à mes côtés, et, tu vois. Et, tranquille. Ça marche bien? Ça marche très très bien. Et ça, c'est pas dangereux? Si, c'est dangereux, mais après... Je vais pas faire la guerre avec. Le maximum d'armes que t'as eu, c'est combien? Je sais pas, je vais en avoir 11 ou 12. J'avais un 11-43. Il y avait des carabines aussi, il y en avait 2. Il y avait des grenades, il y en avait 7 au moins, je crois. J'avais le désartillé, j'en avais 2 aussi. Pas d'armes de guerre? Un K-47 à un moment. Mais il est parti bien vite. Tu préfères faire le vent du shit ou des armes? Ah, les deux, ça rapporte. Leïla n'est pas une trafiquante d'armes, à proprement parler. Mais comme tous ces gamins qui aiment transgresser les lois pour se faire peur, elle s'est prise au jeu. Grenade, carabine, cannabis dans son sac. Qui est vraiment Leïla? Comment en est-elle arrivée là? Ça fait depuis 17 ans et demi, là maintenant j'ai 21 ans, que je vends de la drogue. Comment c'est devenu une idée? Comment tu as commencé? Parce que c'est de l'argent facile. Et vu que tranquille, j'ai un cerveau, je sais comment ça se passe. Depuis que je suis petite, je vois ça. J'ai compris direct le système. Après, bon, je me suis lancé. Pour toi, c'est quoi? C'est un business? C'est une petite entreprise? Ouais, c'est un petit business qui te fait avancer. Il y en a, ils vendent, après, ils claquent tout. Mais moi, non, moi, c'est pas ça, mais mon but, c'est que je commence à vendre, je mets de côté, et vas-y. Et il faut mettre de côté, jusqu'à qu'après, plus tard, tranquille. Je sais que j'aurai besoin de rien, j'aurai mon truc, j'ai 21 ans, j'ai pas de fiche de paye. Et je veux que ça continue comme ça. Je veux que je sois devenu mon propre patron. C'est moi qui te donne les règles. C'est moi, je veux donner les règles. Leïla n'a pas de formation, elle a quitté l'école à 17 ans. Vendre de la drogue, c'est tout ce qu'elle s'imagine savoir faire. Je gagne entre 6 000 et 7 000 euros par mois. Alors c'est 6 000, 7 000 euros, qu'est-ce que tu en fais? Bah, je donne à ma mère. Survie, je mange, je m'achète des affaires, plein de trucs, hein, l'essence, sortie vite fait, voilà, vie quotidienne, hein, mais pas de couture, j'ai pas de truc qui fait montrer que j'ai de l'argent, je montre pas, j'ai pas d'argent, aux yeux des gens j'ai pas d'argent, tranquille. Mais, Et tu en fais quoi? Il est où cet argent? Il est coffré dans un coffre-fort. Dans une banque? Non, ah non, jamais. Je suis ma propre banque. Et tes parents, ils savent ce que tu fais? On va pas dire ils savent, mais ils s'en doutent, c'est sûr. Mes parents, ouais, ils s'en doutent un peu. Ils s'en doutent que je fasse, ils veulent de l'argent tout le temps, je ramène. Des fois, ma mère est dans ma chambre, elle voit, je laisse des billets, elle se demande. Mais tranquille, tant qu'il n'y a pas de problème, que des solutions. Tu sais, si t'avais pas fait dealer, tu aurais fait quoi? J'aurais fait avocat. Ouais, tes rêves? Mes rêves? Devenir patronne, ça mon rêve. Que toute ma famille soit bien, mon entourage il est bien, tout le monde a besoin de rien, et que tranquille. Louis, Hakim, Leïla, des petites mains, des fourmis qui jouent avec leur vie et profitent de la consommation de cannabis pour s'enrichir à toute vitesse, quitte à perdre leur liberté. Amina Adawi connaît par cœur cette nouvelle génération de dealers. Elle a passé 7 ans dans les cités les plus difficiles pour y écrire une thèse. Sans jamais révéler son identité, une astuce qui lui a permis de comprendre le mode de fonctionnement des trafiquants.
et surtout, leur manière d'utiliser les bénéfices tirés du business. Je ne veux pas rentrer dans la caricature, mais moi, c'est ce que j'ai appelé la génération Scarface. Hein. Voilà, je suis là, je fais du pognon. Demain, on verra, quoi. Voilà, demain, on verra. Mais ils font quoi, leur fric, quand ils en ont? Ils consomment. Ils consomment. Hein. C'est des grands consommateurs, pour le coup. Mais ils consomment quoi? Mais ils consomment de tout. Et je pense que c'est ceux qui représentent le mieux notre société de consommation. Vous voyez ce que je veux dire? Je fais du fric pour consommer. La consommation est importante aussi dans leur esprit. Je fais du fric pour consommer, quoi. Voilà. Et puis, il y a les autres. Ceux qui se projettent dans l'avenir. Moi, j'en ai rencontré beaucoup qui rentraient dans le trafic avec des objectifs clairs et précis. Lesquels? C'était faire du capital. C'est-à-dire, quand je dis faire du capital, c'est-à-dire avoir de l'argent pour se racheter une boutique. C'était un moyen. On passe par l'illégalité pour être dans le légal. Et c'est pas caricatural, hein, ce que je veux dire. C'est si aujourd'hui, je veux acheter une boutique, un bar, peu importe, avec quoi je le fais quand je suis issu des classes populaires, que mon père est ouvrier à la retraite, que moi, j'ai pas de situation, ça... je veux pas rentrer dans la caricature, mais le shit, surtout le cannabis, a présenté une opportunité de faire du capital à la place du crédit bancaire. Vous voyez ce que je veux dire? On va plus à la banque faire un crédit de 20, 30, 40 millions pour reprendre une boutique, etc. On fait du deal pendant 10 ans et on a le capital nécessaire pour réinvestir. Le trafic de drogue comme facteur d'intégration. Mais les grossistes finissent par tomber et leur réseau de gamins revendeurs avec eux. Retour à Campagne-l'Évêque. Souvenez-vous, c'est dans cette cité que les forces de police avaient déployé tant d'efforts pour détruire des barricades de caddies érigées par les dealers. Ce jour-là, ils leur avaient filé sous le nez. Mais la brigade des stupes vient de mener une opération coup de poing à Campagne-l'Évêque. Bilan, 60 kilos de shit et d'herbe, beaucoup d'argent, une machine à compter les billets et des armes de guerre. Un arsenal que les trafiquants conservaient chez des nourrices au sein de la cité. Des mères de famille qui n'arrivaient plus à boucler les fins de mois. Les trafiquants avaient la clé de l'appartement et les trafiquants avaient à leur disposition une chambre du fond. Chambre du fond qui leur appartenait à eux, qui n'était plus la chambre de la dame. Ils y venaient quand ils voulaient, jour et nuit. Et dans cette chambre, fermée par leur propre cadenas, ils avaient accès à leur stock. Avec une armoire contenant du produit, mais également une armoire râtelier à armes, avec des armes prêtes à servir au cas où. Mais le coup de maître, c'est ce cahier. Des pages et des pages sur lesquelles le trésorier du réseau, avec une écriture appliquée, tenait parfaitement ses comptes. Une mine d'or pour les policiers. Le 12 mai, a conditionné des barrettes de résine à 10 euros. Il en a fait 455, donc le prix à la revente, 4550. Donc en fait, il y a des conditionnements en barrettes au gré de la clientèle qui se présente, c'est-à-dire il y a des gens qui n'ont pas forcément beaucoup d'argent qui vont venir acheter des barrettes à 10 euros, d'autres à 20 euros, d'autres à 50 euros. Et c'est ce qui explique en fait cette comptabilité. D'autant qu'effectivement à Marseille, puisqu'on s'entretue pour un presque rien, il est quand même important de tenir une comptabilité exacte pour ne pas être en dette, entre guillemets, vis-à-vis des fournisseurs. Avec cette saisie-là, on a plusieurs centaines de milliers d'euros à la revente. On a même passé les 500 000 euros à la revente. 500 000 euros, des sommes colossales que les trafiquants s'empressaient d'investir il y a 10 ans dans des kebabs, des taxiphones, des épiceries ouvertes 24 heures sur 24, des sociétés de sécurité ou de location de voitures. Des centaines, des millions d'euros que les dealers doivent blanchir par tous les moyens. À Sevran, dans sa ville rongée par la drogue, Stéphane Gatignon dénonce les méthodes d'investissement qui vont jusqu'à gangréner l'économie réelle de notre pays. On a les SCI, avec des prêts de nom, hein, donc on achète dans l'immobilier, des investissements immobiliers. Deux, dans des boîtes de bâtiments, c'est-à-dire électricité, peinture, enfin des vraies boîtes, quoi. Hein, qu'on pignon sur rue. Et demain, ça sera via certainement des prêts de nom ou des fonds d'investissement dans des grandes entreprises. Bah, y a tout à fait ça possible, l'achat d'actions ou de parts dans des grandes entreprises. Et on va vers ça. Et c'est là où moi j'explique qu'aujourd'hui, jusqu'à présent, on était dans un système
qui était un système de délinquance banlieusarde, on va appeler ça comme ça, où on rentre dans un système de crime qui s'organise et qui devient mafieux. Le ventre de la mafia n'est jamais rassasié. À Marseille, les autorités estiment que plus de 200 tonnes de cannabis transitent chaque année dans la ville, soit l'équivalent de 20 millions de barrettes de 10 grammes. De la marchandise qui arrive par la mer sur des ferries en provenance du Maghreb, en convoi rapide par l'autoroute du Soleil, ou enfin via la gare Saint-Charles. Marseille, une porte d'entrée sur la France, une zone stratégique pour le trafic. Mais même les plus organisés finissent un jour ou l'autre par tout perdre. Car le pire cauchemar des trafiquants, c'est la GRASC, l'agence de gestion de recouvrement des avoirs saisis criminels. Installée à Paris, cet organisme dirigé par une magistrate frappe désormais les dealers au porte-monnaie. Il y a énormément d'affaires qui concernent des flux numéraires, de l'argent cash qui a été saisi, mais il y a aussi beaucoup de comptes bancaires. On avait 1000 saisies de comptes bancaires au mois de décembre 2011, mais il y a aussi des biens immobiliers comme des véhicules, des bateaux. Il y a toutes sortes d'objets qui peuvent être saisis lors de perquisitions, lors d'enquêtes qui sont menées pour faire en sorte que les trafiquants, et notamment les trafiquants de stupéfiants, eh bien, puissent être dessaisis de tout ce qu'ils ont acquis avec le produit de leur trafic. Cette traque au patrimoine douteux donne des résultats inespérés. Après un an d'existence, les incorruptibles de la GRASC ont déjà traité plus de 10 000 dossiers et récupéré un véritable trésor de guerre. De l'argent sale qui prouve que les grossistes et les dealers investissent aussi dans tous les secteurs de l'économie réelle. Donc là, en fait, c'est une répartition de la... On a dans notre base de données aujourd'hui 39 millions d'euros qui correspondent à des saisies réalisées dans le cadre de trafic de stupéfiants. Et ce que l'on voit, c'est que la grosse partie, plus de la moitié en fait de ces saisies, c'est du numéraire. Donc ça veut dire que les trafiquants, c'est d'abord avec du numéraire qu'ils travaillent. Ensuite, une chose qui est intéressante, c'est que le trafic de stupéfiants, il donne lieu quand même à des placements immobiliers, à l'acquisition d'immobilier. Et ça, c'est le deuxième poste, je dirais, de placement, puisque ça représente 28%. Voici quelques exemples des biens saisis l'an dernier par la GRASC. En région parisienne, tout près du Stade de France, un immeuble de 5 étages et d'une dizaine d'appartements. Ou cette maison, son propriétaire, un dealer d'Orléans, était un petit malin. Il avait fait rénover par ses clients qu'il rémunérait en cannabis. Enfin, le troisième grand poste de saisie, ça concerne les comptes bancaires, donc des comptes qui sont appréhendés et qui, eux, représentent 12% du total. Les comptes bancaires, c'était plus de 4 millions d'euros. Ensuite, on retrouve différents biens comme des bateaux, des assurances-vie, des véhicules, mais là, pour des montants beaucoup moins importants. Les voyous aiment frimer. Dernièrement, les gendarmes ont mis un terme au rêve de chrome et d'acier de plusieurs équipes de dealers un peu partout en France. En confisquant ce parc automobile, des bolides de luxe, des véhicules tout-terrain rutilants et de puissantes motos japonaises. Un patrimoine évalué à près de 300 000 euros. La totalité de ces biens est ensuite vendue lors d'enchères publiques. Le produit de la vente revient à l'État. Cet argent sert ainsi à doter la police et la justice de nouveaux moyens. Des voitures neuves, du matériel informatique par exemple. Mais est-ce bien suffisant pour dissuader les trafiquants? Après 4 mois passés au plus près des équipes du major Michel, notre enquête s'achève avec l'arrestation d'un consommateur dealer. Celui-ci a à peine 15 ans. Il est interrogé dans la cour même de l'hôtel de police. Il est sur le point de craquer. Assume ce que tu as fait. C'est pas grand chose. C'est pas grand chose. Les flics le savent, ils se font pressant. Aujourd'hui, t'as charbonné. Voilà, oui, j'ai charbonné. Mon collègue t'a regardé pendant 2 heures, etc. Tu peux nous le faire à l'envers, etc. D'accord ? On va parler encore, je t'avais bien, mais on sait que c'est. Je peux même te dire qu'à un moment donné, toi qui allais prendre contact avec les voitures, tu allais voir ton petit coup. Et c'est lui qui allait chercher le stup et qui le ramenait directement dans la voiture. C'est moi qui l'ai inventé, ça ? Parce que lui, il m'a rien dit. Ah, là, tu me fais. Vas-y. Là, tu me fais. Je t'assume, c'est bien. C'est énorme, hein ? Voilà.
Pourquoi tu ne dis pas ça directement? Donc est-ce que j'ai raison ou pas? Ne dites pas à ma mère que je fais ça. Implacable réalité. Ces adolescents craignent plus la colère maternelle que les foudres de la justice. Voilà plus d'un an que les policiers interviennent dans les cités tous les jours pour arrêter les trafiquants. L'ampleur de la tâche est telle qu'ils sont parfois désabusés. Par exemple, le gamin qui a été arrêté, interpellé à Nicocoulier cet après-midi. Ouais. Il n'a rien à voir, il est libre. Ouais. Éventuellement, il sera convoqué, mais j'en suis même pas sûr. Peut-être un tirage d'oreille. Donc, oui, éventuellement. Les personnes qui sont à la tête des réseaux, ils le savent. La loi, ils la connaissent comme nous. Donc, c'est pour ça qu'ils utilisent des mineurs. C'est pas super positif, quand même. Ouais, c'est la réalité. Ouais, c'est la réalité. C'est comme ça, c'est le job. Si c'était un peu plus puni aussi, ça sortirait un peu mieux. Quoi. Après, c'est pas de nous. Pas installé. Parce qu'après, ça dépend pas de nous. Nous, on fait notre boulot. Hein. Nous, on se regarde à la gasse, on fait tout ce qu'il faut. Mais punir, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils n'ont pas de peine. Ils accumulent 2 ou 3 ans de sursis avant d'aller en tôle. Ça sert à quoi? Ça sert à rien. C'est pour ça qu'il va donner l'exemple pour les gens, pour pas qu'ils fassent le stup. Hein. Pour les mêmes, on recommence. Après, ça, c'est le seul truc qui peut nous gonfler, mais ça dépend pas de nous. Donc, ouais. On fait avec. Quoi. On fait comme tous les flics de France et on fait avec. Quoi. Un goût de cendre dans la bouche. Comme si, au final, cette guerre contre les trafiquants était mal engagée. Au tribunal, c'est comme s'il y avait un malentendu. Le procureur d'Alest voudrait rassurer les équipes de police avec un discours ferme. Oui. On a aussi une vraie détermination des présidents d'audience ici. Certains sont des vrais spécialistes et qui ont une connaissance réelle de tous ces phénomènes et qui, à mon avis, de façon très juste, applique la loi et l'applique de façon ferme. Et on constate qu'il y a assez peu d'appels. Assez peu d'appels, mais bientôt de plus en plus de trafiquants à la barre des tribunaux correctionnels. Car en 2012, les policiers marseillais ont arrêté plus de 500 guetteurs et dealers, saisis près d'une tonne de cannabis et 300 armes à feu. Des dossiers très lourds qui concernent souvent de très jeunes gens et parfois des multirécidivistes. On a du mal à avoir une prise là-dessus. Et on aimerait pouvoir raisonner les jeunes, leur dire qu'ils n'ont pas d'avenir. Certains vous disent, moi, c'est la dernière fois que vous me verrez en prison. Ils le pensent. Mais une fois dehors, on oublie et on replonge. Alors, c'est une minorité, mais vous avez des gens qu'on voit 2, 3, 4, 5, 10 fois. Évidemment, le risque de peine lourde, il s'accroît au fur et à mesure. Malheureusement, on a ces jeunes qui finissent criblés de balles dans des histoires incroyables. Et ça, c'est l'échec le plus douloureux que nous connaissons. La douleur, c'est surtout celle des mères qui enterrent leur mari et leur fils, les corps criblés de balles. Samia Ghali, après en avoir appelé à l'armée, et face au refus du président de la République d'accéder à sa demande, imagine aujourd'hui la suite d'un terrible scénario. Moi, ce qui m'inquiète, ce qui me fait peur, c'est que on ne s'arrête pas à une histoire de règlement de compte entre personnes, individus, mais qu'on s'attaque aussi aux familles. La police et la justice semblent dépassées. Dans cette cité de la peur, les trafiquants, armés, violents et cyniques, sacrifient des gamins pour développer leur empire. Ils font régner la loi du plus fort partout sur le territoire, jusqu'à menacer les institutions de la République. Ce qui se passe à Marseille est une guerre, et l'État doit s'y préparer.